Dans le silence, entendez-vous ma voix de marbre? Entendez-vous dans le cœur noir? Destin de reine est consacré à trois femmes, trois reines, trois destins et trois époques. Il y a d'abord Aliénor d'Aquitaine, cette femme érudite qui a été deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre, dont le gisant se trouve à Fontevraud, à l'abbaye royale de Fontevraud. La reine Marie qui a régné à la fin du XVIIe siècle et que Henry Purcell a côtoyé et à qui il a rendu hommage à de nombreuses reprises. Et enfin Agrippine la Jeune, cette impératrice romaine qui a été mise en musique par le grand compositeur Georg Friedrich Händel. Avec Héloïse, ça fait une trentaine d'années que nous prenons un peu notre bâton de pèlerin pour créer des traits d'union entre le passé et le présent à travers la musique baroque. C'est un objet, on va dire, destin de reine hybride, très contemporain, parce que de plus en plus, les ensembles s'intéressent à toutes sortes de répertoires. Nous avons suggéré à Thierry Esquèche de nous écrire une œuvre sur Aliénor d'Aquitaine, sur un texte d'Olivier Py, un texte d'un grand lyrisme, mais qui permet aussi à la musique une forme, on va dire, d'évaporation dans notre présent. Thierry Esquèche a utilisé les sept musiciens d'Amaryllis avec des instruments qui sont différents dans le traitement. Ça arrive quasiment jamais, donc c'est assez inédit d'avoir percussions mêlées à la viole de gambe, à des flûtes à bec différentes, à du hautbois, à des violons. Donc finalement, il y a des couleurs instrumentales remarquables. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le travail de chaque musicien, y compris moi, qui est une musicienne au cœur de l'ensemble Amaryllis, c'est un travail presque d'alchimiste. C'est vraiment une forme de sculpture, on sculpte le son, on le malaxe pour qu'il devienne organique, pour qu'il devienne une matière vivante. C'est une musique qui appelle, d'une certaine manière, qui est très étrange, mais qui appelle une transcendance. Il y a quelque chose de mystique.